Bon, ici, on va avoir une autre vidéo qui est l'électrophysiologie du syndrome myasthénique. Le PowerPoint a été fait par Maria Mobile, enseignante de la Cité, et révisé par Anne en novembre 2020. Dans le cadre du cours de neurodiagnostic avancé de la Cité, alors l'introduction. La mise en évidence d'altération de la neurotransmission neuromusculaire est un élément clé dans le diagnostic de la myasthénie. D'accord. Deux tests électrophysiologiques permettent de documenter le trouble de la transmission neuromusculaire dans le cas de la myasthénie grave. Alors, je vais juste écrire ça ici, myasthénie grave. D'accord. On a la stimulation nerveuse répétitive à 3 Hz, sans effort et après effort. Et puis, on a ce qu'on appelle le jitter, qui est analysé par en électromyographie avec ce qu'on appelle la fibre unique. C'est le terme en français ici. Je vais remettre le terme en anglais parce que je ne crois pas que personne va utiliser le terme français en Ontario. Alors, on dit de single fiber. OK? Single fiber. C'est le test de single fiber. On va aller voir ça en détail. Alors, on va utiliser le test de single fiber ou fibre unique, là. Si la stimulation nerveuse répétitive ne permet pas de confirmer le diagnostic surtout quand l'atteinte est très minime. D'accord, le single fiber, c'est avec un aiguille coaxiale spécial. Ça va directement dans le muscle, alors c'est très précis. Myasthénie grave, on fait l'étude de conduction nerveuse. On fait au moins l'étude d'un nerf sensitif et d'un nerf moteur avant la stimulation répétitive. Pourquoi? Pour éliminer d'autres pathologies, pour vérifier le nerf sur lequel on va faire notre étude de conduction répétitive, puis trouver la bonne amplitude en utilisant l'intensité supra-maximale. D'accord? Dans la myasthénie grave, les conductions nerveuses sensitives et motrices sont souvent normal. Vous vous souvenez, là, parce qu'on envoie un choc. Donc, il y a suffisamment d'acétylcholine pour répondre à un choc. Mais au cours d'un effort soutenu, il n'y en a pas assez. C'est là qu'on commence à avoir des problèmes. Puis souvent, le patient va se présenter à l'hôpital en fin de journée avec des faiblesses. Faiblesses qui vont commencer près du corps, hein, proximal. Et puis, il va avoir souvent ce qu'on appelle la ptose, hein, les yeux, les paupières tombantes. Et puis, des fois, il va voir double. Okay? Donc, ça, vous allez tout voir ça dans le cours de patho. L'IMG, tracés normaux ou de type myopathique dans les atteintes sévères. Myopathique, donc, on va avoir des petites zones au niveau de l'IMG. Puis, l'IMG peut être utile pour éliminer d'autres pathologies. Car le décrément, hein, la baisse des amplitudes, peut se voir aussi dans la sclérose amyotrophique latérale. OK, je vais vous écrire le nom complet. Là. Ici, c'est en anglais. Je vais vous l'écrire. Voilà, la sclérose latérale amyotrophique. Dans certaines neuropathies aussi motrices et dans certaines myopathies. On peut avoir des... l'IMG, là, on va le vérifier pour ça, pour s'assurer, pour enlever, là, toutes les autres possibilités. Conduction nerveuse. Oups, les deux fois, c'est de conduction nerveuse. Bon, stimulation répétitive à 3 Hz. Décrément d'amplitude. Un décrément est considéré pathologique quand l'amplitude et la surface de la cinquième réponse baissent de 10% par rapport à la première. La baisse concerne la réponse totale dans sa phase négative. Typiquement, le décrément se creuse régulièrement entre la première et la troisième réponse pour atteindre son maximum à la cinquième, puis après, ça demeure stable. Donc, on a un décrément. Le décrément correspond cliniquement à la fatigue musculaire et à la faiblesse ressentie par le patient après l'effort. Suivez-vous? Le patient, il va avoir plus de difficultés, il va se plaindre de plus de difficultés en fin de journée. Les paupières vont commencer à tomber,
Puis c'est souvent au niveau proximal, dans la partie proximale des membres que ça va commencer. La stimulation répétitive, 3 Hz après épreuve d'effort. Donc, on fait notre ligne de base avec nos stimulations. On fait forcer le muscle du patient, un effort sur le muscle qu'on va tester. Puis après, on le teste immédiatement après, puis soit au 30 secondes ou chaque minute après. Okay? Tout dépendant du protocole que vous avez dans le milieu hospitalier, mais il faut le tester comme tout de suite après, là, à peu près 10 secondes après l'effort, puis après aux 30 secondes, après ça aux minutes, pour voir qu'est-ce qui se passe, pour voir notre décrément qui va réapparaître. Donc, le décrément qui apparaît dans les 3 minutes après l'effort est en faveur de la myasthénie grave. Okay? Pourquoi que le décrément va apparaître plus tard? Bien parce que avec l'effort, on se souvient que ça fait sortir plus de calcium, puis là, ça va venir compenser pour notre manque d'acétylcholine. Puis après quelques minutes, 1 minute, 2 minutes, mais là, étant donné que le muscle n'est pas normal, hein, là, la pathologie va commencer à apparaître. C'est-à-dire les signes, là, les signes sur les os. Une amélioration du décrément est constatée après 10 secondes d'effort, mais l'incrément n'est pas aussi important que dans le syndrome de Lambert-Eaton. Donc, ça, c'est une myasthénie grave. On voit notre première stimulation pour ça descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis après ça se stabilise. OK. Puis vous avez les réponses ici. Vous avez 10 stimulations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a fait 10. Donc, vous avez les amplitudes. Vous avez ici le pourcentage de diminution. Ensuite, vous avez la surface, le niveau par milliseconde. On voit, hein, ça passe de 45 à 22,2,8. C'est à moitié presque. Donc, on a ici le pourcentage et puis la stimulation. Toujours avec la même intensité de stimulation. On ne la monte pas ni la baisse durant le test. Quand on trouve le supramax, on l'utilise. Puis on fait attention que le patient ne bouge pas, hein, ses muscles ne bougent pas. Ici, décrément caractéristique de la stimulation répétitive. Donc, on a une chute de 30%. On a ici post-exercice felicitation and exhaustion. Bon, on a un 3 Hz repetitive nerve stimulation dans un patient qui a une myasthénie grave. Ici, c'est au repos. Ce qu'on a vu dans l'autre vidéo, là, on a notre décrément. Puis aussi, on fait faire l'exercice. Aussitôt que l'exercice, l'effort est terminé, on fait la stimulation, puis regardez, le tracé se stabilise. Mais si on en fait d'autres après 2, 3 minutes, on va avoir notre décrément qui va apparaître. Donc, si on regarde ici, c'était une étude qui a été faite de l'ulnaire à 3 Hz, l'enregistrement sur la ductale digitale, l'ADN. Baseline. Donc, on a la réponse ici. On a une amplitude. Ici, on a eu un 10%. Puis, on a eu un changement ici dans la surface. Mais c'est quand même borderline, hein? C'est faible. En B, on a fait ici un exercice, puis on a fait l'enregistrement tout de suite suivant l'exercice. Qu'on voit, on a même une petite augmentation ici. Donc, c'est une augmentation positive, tandis qu'ici, c'est une diminution, hein, un décrement. Ici, on a une petite augmentation. C'est à cause de la pseudo-facilitation. Hein. 1 minute après exercice, donc on voit ici ça descend, ça se stabilise. Notre surface, ça descend aussi. Hein. 2 minutes après exercice, donc on voit encore ça descend plus. Il y a une stabilisation. 4 minutes après l'exercice, stabilisation. D'accord? Puis ici, on a fait un petit peu d'exercice. Et puis, on voit qu'il y a une petite amélioration. Donc, ça, ce qui vient confirmer là, ce qu'on veut voir. Donc, ça, c'est un patient qui a l'IST. Ici, après traitement,
Donc, ils utilisent ici le muscle enconné. Je sais que ici, le trapèze, ça va bien. Le nasalis, je ne conseille pas, là, sur le bord du nez, ça sera probablement intéressant pour le patient. Okay. Donc, on a le décrémant, puis après traitement, ici, on voit qu'il y aura une amélioration. C'est le médecin qui va donner des traitements pour ça. Pour le Lambert-Eaton, donc l'étude de conduction, on a réduction d'amplitude des réponses motrices sans amyotrophie avec conduction sensitive normale dans les mêmes territoires. Augmentation franche de l'amplitude et de la surface après un effort bref de 10 secondes pouvant aller à 100%. Stimulation répétitive, on va avoir un décrément à 3 Hz qui s'accentue tout au long du train de stimulation. Il n'y aura pas de maximum à la 4e seconde. Hein. Ça va faire... c'est ça. Il va avoir toujours... On va avoir un décrément qui va s'accentuer. Puis après 10 secondes d'exercice, on va avoir une augmentation, un incrément de l'amplitude. La stimulation nerveuse répétitive à fréquence rapide, il va avoir un incrément toujours supérieur à 100%. D'accord? Remarque, l'effort et la stimulation à 20 Hz facilitent la libération de l'acétylcholine. Ici, le prochain diapo. Donc, on a ici notre potentiel, notre Cmax. L'amplitude est quand même assez basse. Hein? Et puis, aussitôt qu'on fait un exercice, on voit ici là, notre potentiel là, qui augmente. Donc, il est passé de 0,3-0,4 millivolts à 3,2 millivolts avec l'exercice. Okay. Puis, le botulisme. Donc, pour le botulisme, on va étudier. Le botulisme, là, vous vous souvenez, là, vous avez dû voir ça dans le plateau, c'est provoqué par des aliments avariés, hein, c'est le botulinum. Oh my God, je me souviens plus du nom, là. Mais c'est dans les conserves, des conserves qui sont mal faites, périmées. C'est quand même assez rare, mais je veux dire, il y en a quand même. La stimulation, ça va produire ça peut conduire à la mort, hein. La stimulation nerveuse répétitive, on va avoir des anomalies similaires à celles qu'on retrouve dans le syndrome de Lambert-Eaton, qui va témoigner d'un trouble présynaptique de la libération d'acétylcholine. Okay. Myasthénie grave, postsynaptique, Lambert-Eaton, présynaptique. Donc, ici, vous avez, chez un patient normal, vous faites des stimulations à 3 Hz, vous avez des réponses normales, puis à 20 Hz, vous avez quand même les stimulations qui demeurent stables, hein, les unités motrices sont stables. Dans le Lambert-Eaton, on a ici, avec des stimulations faibles, donc on voit les amplitudes sont très petites. Puis plus on augmente la fréquence, donc il va y avoir plus de libération. Hein, puis il y a tout le jeu du calcium puis des neurotransmetteurs, donc on n'a pas besoin d'embarquer là-dedans. Mais ce que ça fait, c'est que ça va provoquer une fausse augmentation d'amplitude, la pseudo-facilitation. D'accord? Donc on va avoir une forme comme ça ici. Donc, l'augmentation d'amplitude, ça peut être plus que 100%. L'examen EMG en fibre unique. Donc, je vais voir ici. Ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, je vais arrêter la vidéo là-dessus, puis je vais en faire un autre sur l'examen de la fibre unique.